Je lave les limons. Donc de l'eau à chauffer. Moi, je suis pas sûr que... À couper les brocolis, prendre une assiette pour le mettre dedans. Lavant un petit peu. Moi, j'ai coupé des poivrons. J'ai pris un petit poivron. Ça, j'ai pas besoin.
vais faire le troisième, je vais chercher un sucre. Un peu d'huile dans l'eau pour les potes. Un peu de sel. Voilà. Tout un peu. Du brocoli. Ça chauffe, c'est de l'ail et un peu d'ail. Voilà, ça chauffe. On va dire 500 grammes de ou moins 500 grammes de brocoli coupé. Voilà. Et un peu de temps en temps. C'est couvert. Ça cuit au moins 20 minutes, voire une demi-heure, les brocolis. Comme je dis, il faut tuer un peu de temps en temps. Autre chose. On fait un peu plus d'eau. Voilà. Ah, l'eau elle bouille, on va envoyer les pâtes. 500 grammes de pâtes. J'ai pris des fusils, mais on peut prendre des PD aussi. On met un mélange des deux.
Brocoli doit être prêt. Ça dans un plat, un grand plat d'eau. Cure 15 minutes, 20 minutes, tu vois. Voici cure un peu plus haut la plaque, non, pas celle-là. Voilà, 15-20 minutes minimum. Là, quand mes brocolis, il faut tuer un peu hein, de temps en temps. C'est cuit, il faut que ça cuise à peu près 15 à 20 minutes les poivrons. Voilà. Préchauffer le four. Je préchauffe à 200. Voilà. Alors voilà, les pâtes elles sont bonnes normalement. On va goûter les pâtes. C'est à remplir le plat. Ça devrait le faire. Allez, je vais mettre du beurre dans les pâtes. Oh.
On y pote là. Voilà. Après tu mets encore deux, trois potes. Mets une couche de pâte. Une couche de brocoli. Voilà. Bien partout. Voilà. Du fromage râpé. Une bonne couche de fromage. Voilà, il y avait 250 g de fromage râpé. On met une couche de pâte. Je remets une couche de fromage. Voilà. Encore 250 g de fromage râpé encore en dessous. Voilà. Si j'ai mon propre de toute façon. Voilà. Et on envoie les poivrons. Alors, il est où? Voilà. Bien étalé. Voilà. Voilà. Faites du lait. Faites un litre de lait. On met ça au four qu'on a préchauffé à 200 degrés. Voilà. Faut mettre ça genre 20 minutes si vous voulez seulement que le fromage soit mou, et une demi-heure si vous voulez que c'est un peu plus gratiné. En perso, je préfère quand c'est mou le fromage, c'est pas trop gratiné, parce que aussi des fois les pâtes elles deviennent dures en haut aussi quand c'est un peu trop gratiné. Voilà. Voilà, ça doit être prêt. On va voir ça. Voilà, le plat fini. Voilà. Voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà.